La situation est calme et nous appelons toujours la conscience de la population de ne pas vraiment se donner aux manipulateurs parce que c'est clairement, aujourd'hui la population de l'Ituri commence à comprendre lentement et sûrement qui sont les auteurs des troubles, qui sont les manipulateurs, qui sont à la base des agitations au niveau de la ville, qui sont aujourd'hui, ils ont compris. Quelqu'un qui a outragé l'armée, quelqu'un qui a injurié les autorités, quelqu'un qui a parlé ces verbiages soit un verre de plus ou pas, mais l'action est là et voilà, il a été arrêté pour qu'il puisse quand même répondre à ses actes. Mais cela ne doit pas constituer le problème communautaire, ne doit pas constituer également le problème de la jeunesse. La jeunesse doit se réveiller, délaisser tous ces manipulateurs dans leur coin, dans leur acabit. J'appelle encore une fois la conscience de tous les motards. On ne peut pas commencer toutefois à vous utiliser, tous les jours à vous utiliser pour les intérêts de gens et pour même les infractions. L'infraction est individuelle. Laissons la justice faire son travail et ne paralysons pas la ville pour le malheur de la paisible population, pour les intérêts de certaines personnes que vous les connaissez qui sont en haut. Peut-être les autres sont à la base de cette insécurité. Et donc, nous appelons la population au calme. Nous appelons tout le monde de vaguer librement à ses occupations.